Josué 1, 6. La parole de Dieu dit: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leurs ancêtres de leur donner. Fortifie-toi. Sur ces temps difficiles, fortifie-toi et prends courage. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Salmo capitolo 91, versetto 10. Non ti porta a compire la sventura, nessun corpo cada sulla tua tenda. Rendure dans Marc 1, 15. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Esta passagem encontra-se em Salmo 92, capítulo 15, que diz assim: Até a velhice darão frutos e hão de manter-se sempre fortes e sábios. Proclamando que o Senhor é reto, Deus é o meu protetor, nele não há injustiça. Psalm 118, verse 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? Don't be afraid, because the Lord is with you. Psalm 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Si tu es abattu, mon frère, ma sœur, regarde à Jésus, car lui seul peut donner la paix que le monde peut donner. Mettez la foi à l'Éternel, malgré l'épidémie, je sais que tout passera. Et j'espère que, et je crois aussi que votre famille ne sera pas atteinte de cette maladie. J'ai prié aussi pour vous, j'ai prié pour le monde entier, ainsi que ma famille. Nous serons tous vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a choisis, le Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci: les méchants se promènent de toutes parts, quand règne la bassesse parmi les fils de l'homme. Ça veut simplement dire ceci: tant qu'enfant de Dieu, si nous ne prenons pas le temps de chercher d'abord le fruit de l'esprit, comme dit Galates 5, 22, nous permettrons à l'ennemi de rentrer et de semer les désordres. Mais si nous recherchons premièrement le royaume et sa justice, nous nous rendons compte que dans notre vie, nous serons plus épanouis et le diable n'aura pas d'accès, parce que simplement notre but est de chercher le royaume des cieux.